Bonjour et bienvenue à tous à ce premier jeudi du webinaire du projet Interreg Faire, réalisé avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet à l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre et je représente aujourd'hui tous les partenaires du projet Faire. Ce premier webinaire va porter sur la question de la santé dans les travaux de construction et de rénovation. Il fait partie d'une série de plusieurs webinaires que nous vous proposons jusqu'à la fin du mois de septembre et qui auront pour thème principal la rénovation efficiente. Le projet Faire s'est associé à plusieurs projets européens comme Objectif Blue Stone, Compétences sans frontières et également Bâtisser 2 pour l'organisation conjointe de plusieurs webinaires. Ces webinaires invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter plusieurs intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre écran sur la petite icône représentant un rectangle avec un point d'interrogation. À ce moment-là, trois solutions seront possibles. Notre collègue Yasmina en backstage va pouvoir vous répondre soit en privé ou décidera de publier votre question ainsi que la réponse. Certaines questions vont être sélectionnées pour pouvoir les poser à notre intervenant en fin de présentation. Vous pourrez alors, lors de ce chat, soit publier votre question de façon anonyme ou alors y mettre votre nom et votre prénom. Le tout à votre convenance. Avant de vous présenter notre intervenant ainsi que la thématique du jour, voici quelques mots sur le projet Faire. Le projet Faire, c'est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster Éco-Construction, l'APES, les Compagnons du Tour de France, l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre ainsi que le FOREM. Ces partenaires, œuvrent depuis 2016 à accompagner, former et inspirer tous les futurs professionnels, mais les professionnels également en activité, tous les porteurs de projets publics et privés aux multiples enjeux d'une rénovation efficiente. Le tout afin d'aboutir à une solution beaucoup plus économe en énergie, tout en respectant la qualité patrimoniale du bâti, l'environnement, la santé des professionnels des bâtiments, mais également de leurs occupants. La rénovation efficiente, c'est beaucoup plus qu'une approche énergétique. Cette démarche associe autant le confort des occupants à un budget maîtrisé, mais également à une empreinte environnementale minimale, en vue de garantir une rénovation beaucoup plus pérenne. Et aujourd'hui, justement, pour nous parler de la santé dans un projet de rénovation, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Étienne Delauze, biologiste et éco-conseiller. Il travaille depuis plus de 10 ans au sein d'Espace Environnement sur des questions de la pollution intérieure et sur les matériaux et les techniques constructives qui sont beaucoup plus respectueuses de la santé et de l'environnement. Bonjour Monsieur Delauze. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Delauze? Oui, non. J'ai mon micro, donc voilà, c'est lancé. Pas de souci. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Un grand merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté, merci à vous. Je vais donc vous laisser la parole sur notre thématique du jour et puis vous poser la question qui nous intéresse aujourd'hui, construire, rénover et ma santé dans tout ça. Eh bien, la santé, ce sera aujourd'hui l'occasion de l'aborder sous l'impact que peuvent représenter les travaux de la construction et de la rénovation sur la santé, tant sur... Tant sur les questions de la pollution de l'air, bien sûr, les questions de la qualité de l'air, le cycle de vie du bâtiment, on verra aussi quelques polluants en détail, et aussi à quel moment se tracasser de la qualité de l'air dans les différentes phases d'un chantier. Est-ce que c'est bien mon PPT qui passe en direct? Oui, tout va bien. On m'entend. Voilà, okay. On vous entend et votre PowerPoint est bien en direct. On vous écoute. Ok, je vois que j'ai un petit problème d'animation, mais je vais continuer comme ça. Donc, la qualité de l'air de la santé et la qualité de l'air dans les bâtiments, c'est une question qui est très intéressante et très importante
parce que différentes études ont montré que à l'intérieur des bâtiments, on pouvait être exposé à des polluants qui pouvaient directement impacter la santé. Et ici, une étude menée par l'ambulance verte du Grand Duché de Luxembourg, qui s'est déroulée entre 2004-2007 sur plus ou moins 2000 bâtiments, bâtiments mixtes, hein, accueil du public, école, bâtiments privés, ont montré que dans 42% des bâtiments analysés, on rencontrait en moyenne 4 polluants cancérigènes. Et outre les problèmes évidemment humains que ça peut engendrer, ces problèmes de qualité de l'air intérieur ont un impact sur, ont des enjeux en tout cas socio-économiques évidents et importants. Dans une étude de l'ANSES en 2014, sur l'étude seulement de 6 polluants, eh bien, on a montré que, enfin, l'étude a montré, c'est une étude exploratoire, donc c'est plus illustratif que vraiment précis, puisque ce n'est que des modèles hein, qui évaluent les choses. Eh bien, on a montré que rien que la pollution intérieure pour la France et par an, c'était 28 000 cas de pathologie par année, et plus de 20 000 décès annuels, ce qui représentait un coût économique de 19 milliards d'euros. Alors, c'est assez évidemment important et hallucinant, mais bon, ben voilà, ce sont malheureusement des études qui correspondent à d'autres études qui ont été faites aux États-Unis et dans d'autres pays, qui montrent en fait que ces différents pays arrivent à des résultats assez exorbitants concernant la pollution de l'air intérieur. Il faut bien aussi considérer qu'on ne peut pas ici additionner les problèmes, enfin le coût qui serait attribué à la qualité de l'air intérieur au coût qui serait attribué à la qualité de l'air extérieur, parce que parfois, évidemment, il y a des synergies, des interactions entre les deux types de pollution. Ce qui m'amène à vous parler qui va nous intéresser en tout cas tout au long de mon intervention, c'est l'importance de deux principes qui sont les principes de prévention et le principe de précaution. Alors la prévention, on la connaît bien, c'est plutôt se dire, ben, comme je sais que l'exposition à un polluant pourrait entraîner un problème de santé, ben, je vais éviter de m'exposer à ce polluant. Ça, c'est de la prévention, c'est de la certitude. Et le principe de précaution est un peu plus flou parce qu'on a introduit la notion de doute, donc d'incertitude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est exposé à une substance, mais il y a encore des incertitudes, il y a encore un doute sur l'effet que pourrait avoir cette pollution sur la santé. Et c'est important parce que généralement, ce doute entraîne une non-prise de décision parfois par rapport à l'exposition à l'un ou l'autre polluant. Or, dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et la santé, ça date de 1992, donc ça a déjà un certain temps. Il disait déjà à ce moment-là que l'incertitude, justement, ne va pas conduire, ne va prendre des mesures pour diminuer le risque. Et donc ça, c'est très intéressant et on en reparlera tout au cours de cet exposé. Alors, quelle est la différence entre finalement ce qu'on trouve à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments? Eh bien, ici, une enquête de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui était menée en 2003 et 2005. Sur presque 600 logements, eh bien, on se rend compte ici que chaque pic en fait du diagramme, les différentes couleurs concernent des polluants différents, et on se rend compte, on prend conscience en fait qu'entre l'intérieur et l'extérieur, donc l'intérieur étant encadré en orange, eh bien, non seulement la quantité de polluants à l'intérieur des bâtiments est plus importante. Elle a ses spécificités puisqu'en plus, il y a des polluants qu'on rencontre à l'intérieur mais qu'on ne rencontre pas à l'extérieur. Donc, il y a vraiment des caractéristiques propres des pollutions, de la pollution, des polluants à l'intérieur des bâtiments. Alors, d'où vient cette pollution? Eh bien, elle vient d'abord du sol parce que vous avez certaines émanations, certains gaz qui peuvent rentrer par le sous-sol. Des activités à l'intérieur de la maison, de la présence de bactéries, de virus, de moisissures. On a des problèmes aussi liés à la combustion interne quand effectivement il n'y a pas d'évacuation des gaz de combustion.
Vous avez les émanations par le mobilier, les aménagements, les produits utilisés, etc., etc. Tout ça réagit. Il y a aussi un phénomène de confinement, parce qu'on ne faut pas oublier que ce qui se passe à l'extérieur entre dans la maison parce qu'on aère, parce qu'on fait rentrer de l'air. Et donc, vous avez non seulement ce qui est produit à l'intérieur, mais ce qui est capté malheureusement de l'extérieur. Et tout ça réagit. Et aussi, il faut entrer ici une autre considération, qui est la considération de l'étanchéité, la performance énergétique des bâtiments. Alors, je ne dis pas ici qu'il faut arrêter d'isoler les bâtiments, mais je dis simplement que en isolant les bâtiments, on renforce l'étanchéité à l'air et du coup, on transforme les bâtiments, les logements en bocaux. Et donc là, il y a une considération très importante sur laquelle j'insisterai beaucoup tout au long de cet exposé, c'est l'importance de la ventilation, du renouvellement de l'air. Parce que si on ne pratique pas cette action de renouveler l'air au quotidien, eh bien, il y a un risque d'augmentation de la concentration et donc du risque sanitaire lié à la qualité de l'air intérieur. Et donc, quand on considère les sources de pollution intérieure, il y a d'une part le bâtiment et l'environnement, on vient de le voir, et il y a le mode de vie des habitants. Ce qui me fait dire ici qu'effectivement, non seulement chaque personne et ses comportements entraînent évidemment des problèmes de pollution particuliers, mais aussi il y a la question que chaque individu va réagir différemment par rapport à l'exposition à un polluant. Donc chacun, par son patrimoine génétique, par l'exposition antérieure à différentes sources de pollution, eh bien chacun va réagir différemment à ces polluants. Et donc, en fait, chaque logement est un cas particulier contenant des personnes qui vont réagir et faire des choses particulières. Donc, il est difficile parfois de généraliser, mais ici, évidemment, dans l'exposé qu'on va avoir aujourd'hui, eh bien, c'est bien une généralisation dans le cas de la construction et rénovation qui seront envisagées. Et sur la qualité de l'air intérieur, les travaux de rénovation et de construction-rénovation ont de l'importance. Et si on regarde ici le pourcentage de bâtiments contaminés sur une période de temps, donc l'âge de vie finalement des maisons, des logements, des bâtiments, on se rend compte en fait qu'il y a comme ça des pics. Des pics tous les 40, 30, 40 ans, des pics en tant que nombre de bâtiments qui sont pollués. Et tout ça, c'est simplement le reflet finalement du fait que tous les 30-40 ans, on a effectivement une action importante sur le bâti. On va rénover la toiture, on va isoler des parties, on va peut-être avoir des travaux de restructuration. Enfin, tout ça va entraîner finalement une pollution. Et donc, ça montre bien finalement ici, sur ce graphique, qui est aussi un résultat de l'enquête de l'ambulance verte au Grand Duché de Luxembourg, que les travaux dans le bâtiment ont un impact direct sur la qualité de l'air intérieur. Alors, ces polluants, quels sont-ils? On va en passer quelques-uns en revue et on va aussi passer en revue la manière dont ils peuvent impacter la santé. Vous voyez ici, il y a les polluants chimiques, il y a les polluants physiques, il y a les polluants biologiques. Dans les polluants chimiques, on va parler des composés organiques volatiles, on parlera des biocides, donc ces produits qui sont utilisés pour détruire, tuer les bêtes ou les micro-organismes qui pourraient avoir un impact dans le bâtiment ou sur la santé. On va parler du plomb, on va parler des gaz de combustion. On va parler dans les polluants physiques de tout ce qui est fibres qui sont utilisés, qu'on rencontre dans le bâtiment, du radon. On va aussi toucher un mot sur les champs électromagnétiques, la problématique autour des poussières de silice, et on parlera aussi de l'humidité, des moisissures et des légionelles. Vous voyez, c'est large, c'est vaste, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à énumérer, à citer. Et, bon, parfois, on est tenté d'approfondir, mais ici, bon, vu le temps imparti, je resterai assez superficiel dans le descriptif et dans les explications. Commençons par les composés chimiques organiques volatiles, parce qu'ils sont souvent les plus nombreux et les substances les plus rencontrées à l'intérieur des bâtiments. Ce sont donc des molécules chimiques complexes qui viennent de la chimie du carbone. La caractéristique principale, c'est qu'elles s'évaporent à température ambiante. Et dans le bâtiment, on les rencontre principalement sous forme de peinture, de colle, de vernis,
qui contiennent des solvants, des produits qui vont permettre à la matière organique de se mélanger à l'eau, ce qu'on appelle les émulsifiants. Hein, c'est comme le jaune d'œuf quand on fait de la mayonnaise et qu'on mélange de l'huile avec le vinaigre. Des conservateurs pour empêcher que les produits se dégradent. Il y a aussi dans les panneaux dérivés du bois, des substances qui sont bien connues comme le formaldéhyde. Il y a aussi des isocyanates qui viennent plutôt des cols polyuréthanes qui sont utilisés dans d'autres types de panneaux. Il y a tout ce qui est revêtement souple, hein, donc par exemple les vinyles, donc tout ce qui est revêtement de type PVC. Qui contiennent des substances qui vont assouplir les matières plastiques, comme les phtalates, ou des stabilisateurs. Et in fine, il y a aussi, pour citer les plus fréquents, mais il y a aussi les cires, il y a les vernis, enfin, il y a tous ces produits-là. Mais donc, je terminerai par des produits qui sont un peu plus méconnus par le public, qui sont en fait les retardateurs de flamme. Et ces retardateurs de flamme sont des molécules qui sont utilisées pour retarder la propagation du feu dans certains matériaux. Notamment les matériaux électroniques, notamment les mousses, certains tissus d'ameublement, etc., etc. Donc vous voyez que le panel est vaste, le panel est large, et il y en a un petit peu, si je puis me permettre, un peu pour tous les goûts. Et le problème des composés organiques volatiles, c'est que généralement, ils sont diffusés sur de larges surfaces. On sait bien que quand vous avez plusieurs mètres carrés de peinture, même si la couche est très fine, eh bien, ça va générer une pollution importante vu la surface, un revêtement vinylique que vous avez déposé sur le sol, etc., etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la manière dont se dégagent les composés organiques volatiles est assez subtile. Vous avez les très volatiles et les volatiles qui sont peu finalement impactants pour la qualité de l'air intérieur parce qu'ils vont se diffuser et se disperser très vite. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les semi-volatiles qui sont des molécules un peu plus grosses qui sont généralement dans la matière et qui vont se désorber plus tard. C'est-à-dire parce que le matériau sera exposé au soleil, sera soumis à une source de chaleur, eh bien à ce moment-là, ça va provoquer un phénomène de relargage du polluant dans l'atmosphère. Et donc, c'est surtout, en tout cas dans la phase d'occupation, ces polluants-là qui vont être prépondérants et sur lesquels on va devoir se concentrer. Au niveau santé, malheureusement, les impacts des composés organiques volatiles est assez vaste. Ça va de la gêne olfactive, l'irritation, jusqu'à des problèmes des effets de reproduction, sur le développement du fœtus, des effets cancérogènes et des effets sur le système hormonal. Ce qui m'amène en fait à vous parler du risque sanitaire d'exposition et de ce qu'on appelle l'effet dose. On considère en général que plus on est exposé à une molécule et plus le risque pour la santé est important. Ça, c'est le principe de Paracels. Hein. Donc, plus la quantité est importante ou la fréquence d'exposition est importante, avec des quantités importantes, eh bien, le risque est plus important pour la santé. Et à ça, en fait, il faut amener certaines nuances. C'est qu'en fait, le fait d'être exposé à des petites quantités sur de longues périodes peut aussi engendrer un problème de santé. Donc là, on est en dehors des normes, on est en dehors des quantités fixées par le principe par les systèmes qui nous protègent normalement, parce qu'en fait, c'est des situations qui sont très difficiles à mettre en évidence. Et aussi, l'autre phénomène, on s'est rendu compte qu'il y a certaines molécules qui vont impacter la santé à des petites doses. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ces molécules qui vont imiter les hormones, je viens de vous l'expliquer. Eh bien, le problème, c'est que ces substances-là, il n'y a plus d'effet dose. C'est-à-dire qu'une infime quantité de produits peut entraîner problèmes de santé et sont surtout impactés évidemment les personnes qui sont en développement hormonal important et donc c'est principalement les enfants et donc les femmes enceintes puisque le fœtus va alors être exposé si la maman est exposée. Ce qui amène aussi la question de l'exposition. Donc un travailleur généralement est exposé pendant une courte durée mais à une quantité aiguë de substances. C'est une exposition aiguë, donc une quantité importante de substances, tandis que
Les occupants, eux, vont justement être exposés pendant de longues périodes, puisqu'on passe énormément de temps à l'intérieur des espaces de vie, mais à des faibles doses. Et en plus, pour couronner le tout, dans la qualité de l'air intérieur, on ne considère évidemment pas une molécule. On l'a vu tantôt sur le diagramme qui comparait les polluants intérieurs et les polluants extérieurs. Il y a une multitude de substances. Et donc, c'est en fait un espèce de mini-smog chimique que l'on a dans les espaces de vie intérieurs. D'autres polluants, donc je continue mon petit descriptif. Vous avez les biocides, qui sont principalement utilisés en prévention et en conservation du bois, pour les meubles, les charpentes, les planchers, etc. Vous avez aussi, n'oubliez pas, quand on parle de pesticides, on sort un petit peu de la construction, mais tout ce que l'on utilise pour détruire toutes ces petites bêtes qui nous entourent, que ce soit les xylophages, donc les insectes qui mangent le bois, les insectes volants, les moustiques, les mites, les puces, les fourmis, les cafards. Effectivement, parfois, on utilise pour tuer, pour éliminer ces petites bêtes, une bombe atomique pour tuer une toute petite bestiole. Et donc, parfois, il faut garder la bonne mesure par rapport à l'utilisation de produits qui sont parfois très efficaces, certes, mais qui peuvent avoir un impact sur la santé parce qu'eux, ils vont rester après dans les espaces de vie. Les biocides, ben, on est dans les mêmes registres de nuisances pour la santé que pour les SOV, plus ou moins. On retrouve plus ou moins les mêmes risques d'irritation cancérigène, mutagène, etc., etc. J'adore le petit dessin en fait en haut à droite, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Le petit cafard qui va se faire bomber, qui dit à la personne, bah, écoute, vieux, si c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour toi. Je pense que ça représente bien le problème des pesticides. Un autre polluant des espaces intérieurs, ben, c'est le plomb. Le plomb qui a quand même été interdit assez tôt, notamment en tout cas en Belgique, et normalement qui n'est plus utilisé depuis les années 40. Mais malgré tout, il y a encore des personnes qui en ont mis et qui ont mis en œuvre après, mais aussi il y a, lorsqu'on décape, quand on attaque les vieilles peintures, la présence de plomb dans les peintures qui sont sous-jacentes. Et donc, à ce problème des vieilles peintures s'ajoute le problème des canalisations. Il y a encore de vieilles canalisations qui sont en plomb, qui peuvent aussi perturber la qualité de l'eau dans certaines situations. Et le problème réside principalement au niveau des enfants, surtout parce que l'exposition à des poussières contenant des particules qui contiennent du plomb ou l'ingestion directe d'écailles de plomb, parce que les enfants ont un comportement qui s'appelle comportement Pica, qui fait qu'ils vont chercher des petites particules et qu'ils les goûtent. Et il semblerait que c'est un petit goût sucré, je n'ai personnellement jamais goûté, mais en tout cas, ils y reviennent parce qu'ils aiment bien aussi chipoter, comme on dit chez moi. Eh bien, c'est l'ingestion donc de ce plomb qui peut entraîner des problèmes, notamment chez l'enfant, des problèmes cognitifs et des problèmes de comportement. Vous allez me dire, mais généralement sur un chantier, il n'y a pas d'enfant. Oui, mais si vous êtes en rénovation et que vous travaillez dans une partie de la maison et que d'autres parties sont encore occupées par le reste de la famille ou par des personnes, eh bien, il est clair que les poussières se dispersent de manière importante dans tous les espaces de vie. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des expositions au niveau des enfants. Mais évidemment, les adultes ne sont pas épargnés puisque une exposition importante et chronique à des particules à du plomb peut aussi entraîner des problèmes de santé comme de l'hypertension et des problèmes de fertilité. Et j'en reviens aussi au problème de la femme enceinte puisque n'oublions jamais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent la barrière entre le fœtus et la maman. Une autre source de pollution, c'est les gaz de combustion. Les gaz de combustion, c'est principalement le problème du monoxyde de carbone, hein, le monoxyde de carbone qui résulte d'une mauvaise combustion avec une émission de ce gaz dans les espaces intérieurs. Et on le voit qu'on est principalement exposé au monoxyde de carbone quand il y a donc une combustion qu'on appelle incomplète, donc une couleur de flamme orange, soit parce que l'appareil de combustion ne dispose pas d'évacuation, soit parce que le système de ventilation est inadapté. Par exemple, si vous avez une hotte surdimensionnée qui tirant de l'air dans la cuisine peut créer des inversions de flux dans les systèmes d'évacuation. Vous avez aussi un problème parfois quand les systèmes d'évacuation ne sont pas ou mal entretenus,
ou encore quand vous avez des communications non étanches entre un garage et le reste de l'habitation. On considère souvent moins que la question de gaz de combustion, c'est que ça peut aussi générer de l'humidité, des particules fines, des oxydes d'azote, etc., qui participent aussi à la dégradation de la qualité de l'air intérieur. Le monoxyde de carbone, c'est quand même encore à l'heure actuelle, souvent dans 60% des cas, plus ou moins, parce que vous avez une chaudière ou un chauffe-eau au gaz défectueux. Et c'est quand même encore en France par an une centaine de cas de décès et en Belgique une trentaine. N'oublions pas aussi au registre des gaz de combustion toute la problématique des feux de chantier où parfois on a tendance à brûler tout et n'importe quoi et qui sont des sources de pollution importantes pour plutôt alors l'environnement extérieur. Mais n'oubliez pas qu'il y a souvent des voisins. Mais donc, outre le monoxyde de carbone, vous avez des dioxines, des composés organiques volatiles, des métaux lourds, du soufre, etc., etc. Alors, j'en viens là à un polluant qui est sans doute très, très problématique, en tout cas pour les gros travaux de chantier. C'est en fait la question... de la silice et du quartz qui est contenu dans la silice qui se libère lors de certains travaux sur certains matériaux, qu'ils soient naturels, hein, certaines roches comme le granit, le grès ou certaines ardoises contiennent de la silice en quantité, mais aussi des produits manufacturés comme le béton, mortier, les tuiles, les carrelages. Et le problème de cette poussière, c'est que les particules libérées sont très fines et donc elles vont se poser dans les parties profondes des poumons. Et donc, arrivées à cet endroit-là, elles vont provoquer des phénomènes d'irritation, des affections pulmonaires. Qui sont malheureusement, hein, on appelle ça dans les cas ultimes, les problèmes de silicose, hein, c'est un mot qui éveille des choses chez les gens, ce qui est une maladie même dans l'état d'intermédiaire souvent incurable et causant des dommages irréparables parce que par perte de l'élasticité du tissu. Et donc ici, ça me permet en tout cas d'insister sur ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Et donc, il est très important et primordial, tant pour les professionnels, les autoconstructeurs, de veiller en tout cas à se protéger pour ne pas inhaler ces poussières en général, parce que toute poussière peut être problématique pour différentes raisons, mais principalement aussi pour celle-ci. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de discuter avec des jeunes en formation professionnelle et de me retrouver confronté avec des jeunes qui, en stage, ne mettaient pas les EPI parce que les ouvriers ne mettent pas d'EPI, parce qu'on passe pour un ringard, parce qu'on se protège. Mais je pense que c'est important parce qu'on met sa vie finalement en danger, ou en tout cas, à long terme, on réduit en tout cas ses chances de passer une vie longue et dans la meilleure santé possible. Une autre question, c'est la question des fibres minérales, les isolants qui sont principalement non confinés, donc les vieux isolants qui vont, lorsqu'on va les chipoter, quand on va les changer, les enlever, participer à la dispersion de COV, de poussière, sur lesquels seront absorbés différents produits, donc des produits qui se déposent en surface, et donc quand on respire la poussière, on respire aussi le produit. Malheureusement, ces isolants contiennent parfois, ont été visités, occupés par différentes petites bestioles, et donc on va s'exposer à différentes déjections organiques par l'inhalation de ces fibres lorsqu'on va chipoter ou remplacer ces isolants. Une fibre qui est particulièrement importante pour les questions de la santé, c'est la question de l'amiante. C'est vrai que ça fait maintenant près de 20 ans qu'elle est interdite. Il faut quand même se rendre compte aussi que les premiers cas d'amiante où on a suspecté que des cas de cancer du poumon étaient dus à une exposition à des fibres d'amiante remontent à la fin du 19e siècle. On a quand même mis un siècle pour finalement les interdire, mais il faut dire que l'amiante a pris de plus en plus d'importance dans le bâti dans nos pays.
avec l'importance économique que ça représentait et peut-être une méconnaissance ou une sous-estimation du risque. Mais donc, en tout cas, l'amiante, il y en a encore, et en rénovation, en tout cas, on est souvent confronté à des anciens matériaux contenant de l'amiante, que ce soit des sous-couches de carrelage ou de revêtement de sol, que ce soit au niveau des tuiles, hein, ça on connaît bien le problème là, mais il faut bien se rendre compte que quand l'amiante est fixé dans un béton, évidemment il est plus stable, il a moins tendance à disperser. Le risque est principalement dans l'amiante qui a été floqué, et l'exemple pour bien illustrer ce que c'est ce flocage, c'est des anciennes, on voit c'est la photo qui est au milieu en haut, on voit ce tube blanc, là, c'est un tuyau d'alimentation en eau chaude, et on l'a isolé, et malheureusement, ces manchons, parfois, dans la poudre blanche qu'ils contiennent des fibres d'amiante. Donc là, évidemment, le risque d'exposition est important quand on va chipoter à ces tuyaux. Évidemment, ce n'est pas toujours évident de savoir est-ce que le matériau que l'on est confronté contient ou non de l'amiante. Là, j'attire votre attention sur une expérience intéressante qui a été menée par Constructive et Fedris, qui ont mis en ligne, qui met à disposition une application, solution pour l'amiante, qui permet de faire pour le particulier et pour le professionnel, pour faire des diagnostics pour les matériaux auxquels ils sont confrontés. Il y a de nombreuses brochures, moi j'ai mis celle-ci, celle qui est à disposition au niveau de la région wallonne. Il y a d'autres organismes qui ont mis en place des projets autour de l'amiante, et donc je pense que là, la documentation est importante, mais on sous-estime toujours la présence d'amiante ou pas, et là, à ce sens, les inventaires qui sont obligatoires, hein, en Belgique, en tout cas pour les milieux accueillants du public, les milieux professionnels et autres, mais qui n'est pas encore étendu, en tout cas, au privé. Je crois que c'est le cas en France. Un autre polluant, c'est le radon. Alors le radon, ça, on en parle un peu plus, mais il reste encore souvent méconnu. C'est un gaz radioactif qui est dû à la dégradation naturelle de l'uranium et du thorium dans les roches profondes. Et en fait, le gaz remonte jusqu'à la surface par les micro-fissures, les micro-trous qui se trouvent dans la roche. Et si à l'endroit où il y a résurgence de ce gaz dans l'atmosphère, il y a une maison construite et dont évidemment la dalle n'est pas étanche, eh bien le gaz peut rentrer dans l'habitation et s'y confiner. Il faut quand même savoir que le risque santé du radon, c'est le cancer du poumon. On considère qu'il y a 10% des cancers du poumon en Belgique qui sont dus à une exposition au radon. Donc, c'est principalement dans la région wallonne que se présente le risque radon. Et donc, je pense que dans ce cas-là, les mesures, en tout cas, de prévention en construction, de poser une bâche en anti-radon dans la règle de l'art, évidemment, parce qu'il ne faut pas la percer, cette bâche, pour empêcher les émanations du radon, c'est toujours un geste qui reste intéressant, quelle que soit la zone où on habite. Mais aussi, réaliser une mesure de la quantité du radon dans l'habitation, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte si à long terme on peut être exposé et s'il n'y a pas des mesures à prendre pour augmenter diminuer en tout cas son exposition. Je passe à la source suivante. Hein. Vous voyez, quand on commence, il y en a quand même quelques-unes. Il y a la question des champs électromagnétiques. On en parle beaucoup pour le moment avec la 5G, les compteurs communicants. Et finalement, on ne sait pas très bien si toutes ces technologies ont un impact in fine ou participent en tout cas à diminuer la résistance du corps humain aux agressions et à sa capacité à se défendre. En tout cas, nous, nous sommes principalement concernés par les problématiques liées, donc c'est entouré en rouge, qui sont les extrêmement basses fréquences, et entouré en jaune, qui sont les radiofréquences, donc les technologies que je pourrais qualifier de sans fil. En vert, vous avez, parce que c'est aussi des fréquences, mais la vibration fait que finalement on rentre dans des fréquences qui sont perceptibles par l'organe de sensible qui est notre œil. Et au-delà, en orange, vous avez ce qu'on appelle les rayons ionisants qui vont plus agresser la matière en profondeur, mais qui nous concernent moins évidemment dans la problématique du bâtiment. Et donc, le problème de ces
de ces champs électromagnétiques, c'est que le risque santé, finalement, est relativement méconnu et peu considéré. On considère généralement seulement l'effet thermique comme un problème important, mais il y a quand même, je vous l'ai dit, des suspicions concernant la capacité du corps pour se défendre. Il y a les problèmes de stress, hein, l'impact sur le sommeil, l'irritation, la concentration. Il y a quand même un lien de probabilité entre la leucémie infantile et l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence. Donc il y a beaucoup de choses qui font que. Et puis, j'oublie évidemment la question des personnes qui sont signalées, qui signalent électrosensibles. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées, beaucoup d'interrogations. Et là, je trouve que personnellement, on devrait un peu plus considérer le principe de précaution dans cette problématique avant d'aller trop vite dans les évolutions technologiques, parce qu'après, il sera évidemment compliqué de faire marche arrière. Alors, une autre source de pollution qui est évidemment beaucoup mieux connue, c'est la question de l'humidité dans le bâtiment. Donc, qui soit due parce que vous avez des problèmes au niveau de la gestion de l'humidité, de l'eau, d'humidité ascensionnelle, que ce soit d'humidité qui soit présente dans le matériau, des problèmes de fuite qui vont entraîner des taches, des dégradations d'enduits, des joints qui vont éclater à cause de la dilatation des joints en hiver. Des efflorescences de salpêtre, des présences de moisissures, mais aussi parfois des problèmes de diminution de l'efficacité de l'isolation, parce que si l'isolant il est mouillé, eh bien, il perd de sa capacité d'isolation. Eh bien, tous ces paramètres sont importants à gérer, et notamment, on l'oublie parfois, mais évidemment, comme j'ai un problème d'animation, on ne voit pas les premières images, mais on oublie souvent ce qu'on appelle l'eau de chantier, c'est-à-dire l'eau qui a été utilisée pour construire, qui était injectée dans le ciment, dans les bétons, à différents moments de la construction. Et toute cette eau doit être évacuée, parce que sinon, si cette eau n'est pas évacuée avant la phase d'occupation et de la pose et finition, eh bien, on va certainement avoir des problèmes au niveau des matériaux. Le dernier pour aujourd'hui, en tout cas, c'est la problématique des légionelles. Les légionelles, c'est des bactéries qui se développent dans les circuits d'eau tiède, d'eau chaude. Et c'est important, en tout cas, d'éviter toutes les fuites possibles dans les systèmes d'eau chaude, parce que les légionelles, bon, peuvent entraîner des problèmes de santé au niveau des voies respiratoires. Et donc, éviter les bras morts aussi, le bon entretien des systèmes d'eau chaude. De temps en temps, faire monter la température à 60 degrés pour tuer les légionelles parce qu'elles ne supportent pas les températures supérieures à 60 degrés, sont des pratiques pour limiter la présence de légionelles. Alors, à quelles étapes dans l'histoire de chantier, après cette liste un peu fastidieuse, j'espère que vous rentrez encore chez vous avec le sourire ce soir, mais donc, quelle est la. Quelles sont les étapes ou à quel moment doit-on prendre la qualité de l'air intérieur en considération? Eh bien, je dirais à tous les moments, à chaque instant, dès le début, dès la phase de programmation et de réflexion autour du chantier, il faut considérer la qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire avant de commencer, eh bien, inventorier, répertorier, se poser des questions, anticiper, sonder, pour éviter évidemment non seulement les accidents dans ce qu'on va faire, pour éviter la dispersion de substances qui pourraient être problématiques, on a parlé de l'amiante, le plomb, etc. Mais aussi répertorier les choses qui ne vont pas dans l'alimentation électrique, dans le réseau de distribution d'eau, les questions du chauffage, la présence d'amiante dans la toiture, la présence de plomb dans la vieille peinture, etc., etc. Tout ça doit être inventorié, mais aussi garder un petit œil sur le terrain, parce que si vous habitez dans une ancienne zone industrielle, ben, ça vaut la peine aussi de considérer ce qui a peut-être été déposé sur les zones par la pollution ambiante extérieure. Et c'est aussi à ce moment-là, je pense, qu'il faut s'interroger sur les matériaux qu'on va utiliser, peut-être avoir des matériaux moins émissifs, envisager des techniques moins consommatrices d'énergie. Enfin, tout ça, c'est dans la phase initiale. Pour le choix des matériaux, il y a des indices, il y a
des systèmes, enfin des renseignements qu'on peut trouver dans les fiches de données sécurité des produits. Donc ces fiches sont à disposition du client. Hein. Si vous allez dans un Brico et que vous voulez avoir la fiche détaillée de produit, vous n'êtes pas nécessairement, c'est pas à vous nécessairement à aller chercher ça sur Internet. Vous pouvez demander au magasin. Donc ils doivent être tenus, pas nécessairement dans la seconde, mais de vous fournir, de vous envoyer, de vous faire parvenir. Le produit, la fiche détaillée sécurité du produit que vous comptez acquérir. Je vous ai mis les anciens logos, mais je vous ai aussi mis à droite les nouveaux, parce que les logos ont été remaniés par un souci d'uniformisation en 2012 et la prise en fonction a été en 2015. Et donc, vous voyez qu'il y a une évolution dans ces logos. Je vous ai mis les anciens parce que ceux-là, on les connaît relativement bien. Et les nouveaux, généralement, le petit sigle rouge sur fond blanc avec juste un petit dessin dedans, généralement, il passe un peu inaperçu. Et donc, j'attire votre attention de bien chercher, de bien regarder ces produits sur les étiquettes. Il y a d'autres étiquettes qui peuvent vous aider, comme en France, l'étiquetage des matériaux de construction concernant l'émission de composés organiques volatiles. Bon, le biais de ce système, pour moi, c'est qu'on peut continuer à acheter, parce qu'ils sont moins chers, des produits C. La Belgique, par exemple, a choisi un autre système qui colle un peu à celui de l'Allemagne, où les produits sont interdits s'ils libèrent certaines substances. Donc, on ne laisse pas le choix aux consommateurs. On met la barrière en termes de produits d'émission et d'exposition. C'est deux approches différentes. À noter aussi qu'il n'y a que 12 polluants qui sont considérés. Si vous en avez un qui émet beaucoup, qui est justement un 13e ou un 14e, il n'est pas pris en compte. Vous pouvez avoir de grosses émissions dans certains cas de certains polluants qui ne sont pas repris dans la liste en question. Vous croyez avoir un produit excellent et puis en fait, non. Donc, tous les étiquettes, ces labels peuvent avoir des biais, mais enfin, c'est un outil comme un autre qui doit être croisé avec d'autres. Et par exemple, ça peut être croisé avec d'autres labels comme Nature Plus, le label Blue Angel en allemand, label Ecolabel, etc., qui ont toutes leurs caractéristiques et leurs particularités. Mais en fait, ce sont des guides qui peuvent vous aider à pratiquer en tout cas le meilleur choix quand vous voulez acheter un produit. Ça m'amène à vous parler, en tout cas en phase de programmation, de la dernière étape qui est la question du renouvellement de l'air et de la ventilation. Je vous ai bien expliqué ça, enfin, je vous ai attiré votre attention en tout début d'exposé. Quand on va augmenter l'isolation et le confinement et le risque de confinement des locaux, ben, il faut ventiler. Ce soit, alors, à ce moment-là, pensez à la méthodologie que vous allez mettre en place. En considérant que la conception et le montage du système de ventilation doit être fait dans les règles de l'art, parce que ce n'est pas si évident que ça et il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel. Le stockage des matériaux en phase chantier doit être protégé de la poussière et de l'humidité pour ne pas, évidemment, au moment de la mise en charge du système, polluer complètement tous vos filtres. Ce système doit être accompagné d'un carnet d'entretien et... Évidemment, ça nécessite une vérification des débits juste après le montage, lors d'une réception partielle des travaux. Voici quelques petites choses qui montrent qu'il est important de changer, d'entretenir les filtres et les boules d'aération qui peuvent s'encrasser facilement. Si vous voulez en savoir plus sur la ventilation, je vous invite à aller visiter le site internet du projet Interreg Ether, dont la thématique principale est bien la question de la ventilation. Retenez aussi que, évidemment, pour les travaux et phases de démolition, casser, arracher, déstructurer, disquer, remplacer les installations de chauffage entraîne des poussières, des émanations, des fils d'éjection. À l'importance des protections collectives et individuelles. Et aussi, pour rappel, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour certains cas, comme l'amiante, le plomb, ou si vous tombez, par exemple, derrière
une plaque de JIPROC sur un amoncellement de poussière noirâtre, ça vaut quand même la peine de vous renseigner, de savoir si les poussières en question ne sont pas, par exemple, Stachybotrys carnatum, qui est, Carctarum, qui est une moisissure extrêmement toxique et agressive. Et ça vaut la peine, dans ces cas-là, de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter de s'exposer à ce genre de petites bactéries. Donc, en phase de reconstruction, vous êtes aussi exposé à d'autres problèmes, puisque vous allez mettre en place de nouveaux matériaux qui vont aussi entraîner la nécessité de la mise en place de mesures collectives individuelles de protection. Et surtout, veillez à une bonne mise en œuvre de ces matériaux. Parce que, évidemment, je vous l'ai dit tantôt, si vous n'avez pas mis correctement votre pare-vapeur entre l'isolant et les espaces de vie, si ce pare-vapeur se mouille, cet isolant se mouille avec le temps en présence de l'humidité que vous allez avoir à l'intérieur du bâtiment, eh bien, vous allez avoir une dégradation de la qualité d'isolant avec peut-être développement de moisissures, avec peut-être des ponts thermiques et des choses comme ça. Donc, la bonne mise en œuvre des matériaux, c'est quelque chose d'important. Formez-vous, faites appel à des professionnels pour vous épauler ou pour faire le chantier. C'est très, très important et toujours, toujours, gardez un œil sur l'importance in fine de l'entretien. Et là maintenant, des systèmes que vous allez mettre en place, le cahier des charges qui va accompagner ces systèmes pour garantir la pérennité, dans la pérennité, en tout cas la qualité de l'air intérieur. Et ceci, c'est une petite dia de synthèse pour les différentes phases. Hein, vous voyez, s'informer en phase de programmation, déjà y penser, déjà penser aux questions de renouvellement de l'air. En phase de conception, choix des matériaux importants, choisir le système de ventilation, bien réfléchir qu'après après l'installation, il faudra l'entretenir. Donc, on ne le pose pas n'importe comment dans des situations abracadabrantes où atteindre l'appareil sera compliqué. Ou du bon, on verra bien à ce moment-là. Ben non, on ne verra bien à ce moment-là. C'est tout de suite qu'on voit comment on va pouvoir entretenir l'appareil après. N'hésitez pas à demander des réceptions partielles des différentes parties pour être sûr que tout est fait dans les temps, maintenir les protections individuelles et collectives nécessaires pour se protéger, avoir une petite pensée pour les gaz radon qui pourraient venir du sol par les soubassements. Et surtout, pensez que tout ce que vous faites maintenant, c'est du boni. Donc, même si vous êtes entrepreneur, constructeur, c'est du boni pour les gens qui vivront là. Ils seront en meilleure santé, ils feront et plus longtemps et dans meilleures conditions de vie. Donc, ça vaut la peine aussi, peut-être aussi, en tant que constructeur ou rénovateur, d'informer les gens sur l'importance, justement, sur le choix des matériaux, et aussi, peut-être rappeler, sensibiliser que l'utilisation de produits d'entretien domestiques, de bricolage et autres n'est pas neutre sur la qualité de l'air intérieur et surtout qu'ils devront entretenir les systèmes et surtout qu'ils devront veiller à un bon renouvellement de l'air intérieur. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, pour votre intervention, enfin pour votre exposé. Présentation très complète et très intéressante, il faut le dire. Ça a suscité énormément de questions, on a eu pas mal de monde là sur le chat. Je vais me permettre de vous en poser quelques-unes pour une réponse en direct. Donc, la première question, elle vient de Monsieur Nils Schoens, qui représente la société Hamster Cleaning, spécialisée notamment dans l'entretien génique des gaines de ventilation. Voilà, vous avez parlé du fait d'une mauvaise qualité d'air intérieur des bâtiments lors de la rénovation et le rôle important du système de ventilation. Est-ce que vous jugez qu'il devrait être obligé de faire nettoyer les systèmes de ventilation après les travaux de nettoyage? De nettoyage nettoyage de... Je ne comprends pas la question. Voilà. Donc, je la repose. Excusez-moi. Pas de problème. Est-ce que vous jugez qu'il devrait être obligé de nettoyer les systèmes de ventilation après les travaux de nettoyage? euh,
Ben, j'ai du mal à voir à quel moment intervient ces travaux de nettoyage, si c'est un travail de nettoyage dans le bâtiment ou un travail de nettoyage des gaines avant la mise en charge. Ben, je pense que de toute façon, moi, je pense qu'il est du ressort de l'installateur de vérifier, après la mise en charge, une première phase d'essai, que les systèmes sont, que les filtres sont OK, que les gaines sont correctement propres, etc., etc. Donc, pour que la personne qui va occuper le logement soit dans les bonnes conditions d'utilisation. Et voilà, donc maintenant, en termes de nettoyage des gaines et des systèmes de ventilation, ben, ça dépend du fonctionnement. Et là, je pense qu'il faut aussi se référer au carnet d'entretien obligatoire de la machine, quoi. Oui, Que ce après. soit au niveau du bloc moteur, que ce soit au niveau des tubulures, que ce soit au niveau des filtres et des bouches d'aération. Oui, donc vous préconisez vraiment de nettoyer, même après les travaux tout court, enfin les travaux, Mais le nettoyer dans tout chantier. tout dépend de la manière dont les techniques ont été stockées sur le chantier. Et voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, parce que je ne voyais pas très bien de quoi on parlait en parlant de nettoyage. C'était plus, je pense que c'était plus par rapport au nettoyage du chantier en général, je pense. Après les travaux de rénovation. Ben, c'est clair que si vous mettez en... Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il faut vérifier si le système est toujours OK, parce que si vous avez mis le système de ventilation en charge alors que enfin, la zone n'est pas propre et sur-empoussiérée par les travaux, ben c'est clair que vous allez d'emblée encrasser le système. D'accord. Une deuxième question. Vous avez montré tout à l'heure un schéma sur deux phases. Est-ce que la phase de déconstruction n'est-elle pas plus dangereuse? En termes d'exposition, Oui. ben, généralement dangereuse en termes du risque personne, je n'en sais rien. Maintenant, en termes du risque exposition, je dirais que chacune ont leur spécificité. Mais c'est clair qu'en termes de poussière, la phase déconstruction expose plus les personnes qui vont mener les travaux. Tandis qu'en phase de reconstruction et de finition, bah peut-être que la quantité de poussière sera moins importante, mais vous allez avoir peut-être plus d'émanations en termes de nouveaux produits et en termes d'exposition plus importante. Donc en fait, je pense que l'exposition n'est pas la même. On n'est pas confronté aux mêmes substances. D'accord. Je ne dirais pas qu'elle est plus dangereuse. Peut-être que quand on casse, on détruit, il y a peut-être un risque physique plus important. Mais en termes de respiration, en termes d'exposition, je ne pense pas qu'on puisse parler de dangerosité plus importante l'une par rapport à l'autre. Surtout que, par exemple, dans les phases de reconstruction, ben, le bâtiment est déjà fermé, et on a commencé déjà à finaliser, en tout cas, les portes, enfin, les ouvertures, etc. Et donc, à ce moment-là, ben, le chantier est déjà cloisonné. Et donc, en termes de circulation d'air, ben, peut-être que la qualité de la circulation d'air est moins importante et de moindre qualité. Voilà, donc les conditions changent trop et je pense que les sources d'émissions sont trop indifférentes pour voir une différence en termes de dangerosité. D'accord. Okay. Une autre question de Monsieur Nicolas Rocher. La question de la 5G est très actuelle et on a très peu d'informations sur son impact. Donc, d'où le principe de précaution. A-t-on des études sur le risque d'exposition à la 3 et 4G qui font maintenant partie de notre environnement? Mais c'est bien là le problème, en fait. C'est que les technologies avancent, changent, parce qu'en fait, la technologie 5G n'est pas la même technologie, que la 3 ou la 4G, puisqu'elle va travailler avec d'autres types d'émissions et plus d'antennes relais avec des ondes d'un autre type. Donc, c'est un peu technique, mais donc je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Mais je veux dire, le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on va remettre une couche sur quelque chose, finalement, où les informations globales sont parfois encore relativement floues. Il y a encore de grands débats entre les scientifiques. Et donc, ça, c'est clair qu'on ne sait pas. Les études avancent, on montre des choses, mais
Voilà, le problème, c'est la connectivité dont ont besoin, ou en tout cas nécessaire au fonctionnement des nouvelles technologies. On parle des voitures connectées, on parle des maisons connectées, on parle de. Enfin, voilà, et tout est à la connexion, mais en utilisant des techniques qui sont finalement peu connues. Et à chaque fois de remettre une couche, ben, finalement, on va peut-être mettre la couche de trop. Et peut-être pas, hein, mais. Pour moi, la tendance est plutôt de se dire soyons prudents parce que, y a quand même des indices qui montrent qu'il y a des soucis, quoi. Une autre question par rapport justement à votre argument sur la faible émission de COV. Hein. Est-ce que le COV. Alors, je voulais la question de Monsieur Hugues. L'argument d'une faible émission de COV est-elle pertinente pour un isolant si ce dernier n'est pas en contact direct avec l'air intérieur? Alors, si vous parvenez à maintenir une cloison étanche entre la zone de l'isolant et les espaces de vie, effectivement, à ce moment-là, on est dans une situation où le risque est moindre. Ouais. Donc, si effectivement, par la pose, hein, par exemple, si on parle d'un isolant et avec une pose correcte et de qualité du pare-vapeur, eh bien, je pense que dès lors, le risque d'exposition de l'habitant est effectivement moindre. D'accord. Ok. Une autre question, là, c'est par rapport à le temps en fait qu'il faut pour éliminer les effets polluants des matériaux. Par exemple, voilà, le fait de retirer un seul vinyle d'une vieille maison suffit pour éliminer cette pollution ou est-ce qu'il y a un délai d'attente par rapport à cette élimination? Ben, si vous avez un vieux vinyle chez vous, ben gardez, et qui vous convient au niveau de la couleur, gardez-le. Parce que, en fait, ce vinyle a déjà relargué ces substances problématiques. Maintenant, si vous décidez de changer le vinyle et de mettre autre chose, eh bien, allez plutôt vers autre chose qu'un nouveau vinyle. Parce que, enfin, un carrelage ou, enfin, il y a d'autres matériaux qui sont moins émissifs. Parce que là, vous avez un risque, évidemment. Mais changer le vinyle parce que vous dites, tiens, effectivement, les vinyles émettent, oula, celui qui est là depuis 10 ans, je le changerai bien du coup. Non, ça, c'est pas un bon réflexe. Si le vinyle vous convient bien, ben, laissez-le bien parce que celui-là, il a déjà terminé son travail d'émission. Oui, c'est déjà là, d'accord, ok, ça Et un marche. bon signe pour montrer qu'un vinyle est vieux et qu'il a terminé d'émettre, c'est quand il commence à craqueler, justement. Ah bon, d'accord. Bon, il devient moche, ben ça, d'accord, mais c'est parce qu'en fait, il a perdu sa souplesse parce qu'il a perdu Ses effets, oui. ses assouplissants. D'accord, ok. Une dernière question. Pour vous, est-ce qu'une ventilation par l'ouverture des fenêtres suffit? Alors, ça, c'est un bon débat. Entre ventiliste et non-ventiliste. Mais donc, pour moi, l'ouverture des fenêtres est un minimum. Si vous connaissez bien votre habitation, vous y habitez, vous connaissez bien comment circule l'air dans la maison, si vous aérez régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par jour au matin, si maintenant vous êtes accueillant de la petite enfance et vous avez 15 petits-enfants qui circulent dans la maison sur votre journée avec vous, ben c'est clair qu'il faudra peut-être ouvrir les fenêtres un peu plus souvent ou essayer de trouver un système pour effectivement aérer régulièrement. Donc, je pense que dans beaucoup de cas, si vous le faites en conscience et avec une certaine persévérance routinière, je pense que ça peut le faire. Maintenant, si vous n'avez pas, parce que le problème, c'est qu'en isolant et en améliorant l'étanchéité à l'air des bâtiments, on se retrouve dans des bâtiments dans lesquels on n'a pas l'habitude de vivre. Et c'est pour ça que on n'a pas les bons réflexes. Et c'est pour ça que la ventilation mécanique est finalement une bonne solution, parce que cette ventilation mécanique va assurer pour vous, la qualité de l'air dans un espace finalement qu'on maîtrise malheureusement souvent mal. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je dirais que la qualité de l'air, le renouvellement de l'air par l'ouverture des fenêtres est suffisant, mais la ventilation mécanique est une garantie. Maintenant, la ventilation mécanique, avec toutes les réserve que je vous ai dit tout à l'heure en termes de la qualité de la pose et du montage, la qualité au niveau de l'encrassement des tubulures, la qualité de l'entretien des systèmes, alors oui.
Mais souvent aussi, on constate, par exemple, que les gens vont couper la ventilation parce que ça fait du bruit. Ou on va fermer, on va bloquer les bouches d'aération des fenêtres, des grilles de ventilation, parce qu'on sent l'air froid qui rentre. Mais oui, ben, voilà. Donc, il faut accepter de vivre avec la ventilation mécanique si on opte cette solution-là, quoi. Ok. Super. Bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Delauze, Avec pour votre plaisir. intervention. Voilà, si vous, internautes, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail suivante, etherintereg@gmail.com, donc comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc, etherintereg@gmail.com. Et donc, nous vous répondrons bien évidemment de façon privée. Monsieur Delauze, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice d'événements en ligne et d'avoir inauguré avec nous ce premier webinaire du projet FAIRE. Un grand Merci. merci à vous aussi. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Vous pourrez donc retrouver le replay de ce premier webinaire sur notre page internet, donc sur notre site internet www.fai-re.eu, mais également sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Voilà, vous avez donc les adresses qui se diffusent en direct. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Et justement, en parlant de nous retrouver, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau jeudi du webinaire portant sur la thématique de la chaux, chaux de vent, l'utilisation de la chaux en rénovation. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Benoît Lemens, architecte à l'AWAP, et Monsieur Ivo Sergès, responsable technique de chez Arte Constructo. N'hésitez pas donc de vous inscrire sur le lien Eventbrite que vous retrouverez effectivement sur notre page Facebook et sur notre site internet également. Voilà. Afin de nous aider à améliorer nos jeudis du webinaire et à traiter des thématiques qui vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire d'évaluation que notre collègue Yasmina met sur le chat en ce moment même. Voilà, un grand merci à vous en tout cas de votre participation. Le programme complet des webinaires se trouve également sur nos pages internet. Il sera en fait revu au fur et à mesure, hein, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin du mois de septembre, en fonction des différentes thématiques que vous aussi vous souhaitez mettre en place. Pour vous dire également que nous avons Monsieur Thierry Delestre qui a vu aujourd'hui aussi notre webinaire et qui nous a fait un petit scribing un petit peu de l'intervention de Monsieur Deloz aujourd'hui. Et nous allons faire le plaisir de vous envoyer ces schémas sur votre adresse mail. Voilà, en ce qui concerne ce premier jeudi du webinaire, je voulais remercier tous les partenaires qui ont œuvré dans l'ombre ce matin pour la réalisation de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous, ensoleillée, et portez-vous bien. Au revoir.